phone with Crazy Taxi. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Et ce défi portera sur Crazy Taxi, sur GameCube. Alors là, sur GameCube, oui et non, parce que là je joue sur émulateur, hein, vous en êtes douté. De toute façon je vais vous dire le son, là il va être complètement dégueulasse, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer le jeu à quoi il ressemble, et j'avais vraiment aussi envie de vous le montrer. Puis ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo défi, alors je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une. Et donc on va jouer tout de suite à Crazy Taxi. Alors le défi, en quoi il va consister? C'est très simple, on va faire une petite mode arcade. On va jouer en mode arcade, on va prendre le pro de Crazy Taxi, on va prendre Guigui-Jo. Et le but, ça va être en 70 secondes, là je vais avoir un chrono de 70 secondes que vous voyez en haut à gauche. Et le but pour moi, ça va être d'essayer de ramasser un minimum de 15 000 $ durant cette course. Voilà, tout simplement. Enfin, cette course de taxi, évidemment. Parce que là, c'est pas un jeu de course, hein. C'est vraiment un jeu... Comment je peux dire ça? Oh putain, le son il bug, mais bon, j'espère que ça ira sur la vidéo, franchement. Je croise les doigts. Car en même temps, l'émulateur, c'est pas évident. Et puis mon micro est dégueulasse, le son est dégueulasse. Mais j'essaie de faire ce que je peux. Donc le but, donc vous l'avez compris, donc c'est de prendre les clients en taxi, de faire la course qu'ils nous demandent, et en échange, donc ils nous donneront de l'argent suite à cette course. Vous voyez, sur certains clients, il y a des dollars différents, de différentes couleurs. Les rouges, ce sont vraiment des trajets plutôt courts, les jaunes, ce sont des trajets moyens, et les verts, ce sont des trajets longs. Et évidemment, plus le trajet est long, plus le client nous donnera d'argent. Mais pas seulement, puisque vous voyez aussi là à droite que je suis en train de faire des combos. Aïe! Plus vous faites de combos, plus le client vous donnera aussi de l'argent. Ok, donc là vous avez un ranking aussi, parce que le jeu c'est un jeu d'arcade hein, aussi. Hein. Ça c'est un truc à préciser. J'ai déjà fait quelques parties sur ce jeu. Et en plus, je vais vous dire une petite anecdote concernant ce jeu. A la base, ce jeu, je le connaissais déjà. Je le possède. Enfin, je le possède, oui ou non. Car en fait, ce jeu, je l'ai connu grâce, on va dire entre guillemets, au paquet de céréales. Voilà. En fait, à l'époque, enfin, je sais pas si ça se fait encore au jour d'aujourd'hui, les jeux dans les paquets de céréales. Moi, je pense pas, mais bon, bref. Et sur certains. Dans certains paquets de céréales, il y avait carrément des jeux vidéo dedans. Dont ce fameux Crazy Taxi. Et qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ce Crazy Taxi? Qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Alors le jeu n'était évidemment pas complet, hein, c'était une démo. C'était une version démo, où il n'y avait que le mode arcade, justement, du guide. Et franchement, voilà, j'ai kiffé avoir ce jeu entre les mains. D'ailleurs, c'est dommage, ça, que les boîtes de paquets de céréales ne vendent pas, ne vendent plus de jeux vidéo. C'est un peu dommage. Parce que franchement, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et au moins, c'était bien pour les jeux qui avaient dedans. Et au moins on s'amusait et on s'éclate. Je rentre carrément dans le perso quoi. Alors là vous le voyez aussi là en ce moment. Mais en plus le jeu Crazy Taxi, ce qui est pas mal, c'est qu'il y avait vraiment des vraies marques qui faisaient partie du jeu. Là on a vu Levi's, on a vu Kentucky Fried Chicken, il y avait quoi encore? Il y avait Pizza Hut. Enfin voilà, il y avait des jeux vraiment intéressants. T'as des marques plutôt intéressantes. Ok, le prêtre à l'église. Et voilà, et c'est un jeu que j'aimais beaucoup à l'époque, vraiment. Et que j'ai fait maintes et maintes et maintes fois. Ok, on vient de passer le 2000. Alors aussi, dans ce jeu, on peut aussi modifier le trafic. Hein, savoir si vous voulez un trafic plutôt bondé ou... un trafic fluide. Bon, là j'ai choisi la difficulté moyenne hein, concernant le trafic. Et pour le temps, c'est vrai qu'on peut aussi régler le temps. Oh, que l'hélico, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon. Il était proche de moi. Hein. Et oui, donc aussi niveau temps, voilà, vous pouvez aussi choisir votre durée pour commencer. Bon, là j'ai mis le durée le plus fort, que je commence avec une minute 10. Mais sachez que vous pouvez même commencer avec 35 secondes, hein, je crois que c'est minimum. Mais bon, pour le problème, c'est que si je prends 35 secondes, je crois que le défi, c'est même pas la peine, quoi. Alors vous le voyez aussi,
Mais selon la course que vous faites, si vous faites une course presque parfaite, enfin rapide, normale ou lente, vous gagnerez aussi du temps bonus. Bon là pour l'instant je fais que des speedy, donc ça fait que je gagne 5 secondes à chaque fois. Si vous faites en normal, vous gagnerez que 2 secondes, et si vous faites un temps plutôt lent, vous ne gagnerez pas de temps bonus. Alors je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, je vous dis tout de suite. Il y a carrément un taxi de retourner quoi. Aïe, voilà. Calme le jeu surtout. Oui donc je sais pas du tout combien de temps durera la vidéo, hein, franchement. On verra, on avisera. Putain, le bus, oh là là là. En plus, vous voyez, ce qui est génial, vous voyez, c'est que, franchement, il y a souci du détail, vous voyez, parce que les camions, les voitures et tout, ils mettent leur clignot avant de tourner, ça, c'est pratique aussi. Aïe. Au moins, comme ça, on sait s'ils vont tourner ou pas. Ça, c'est vraiment génial. C'est un petit détail, mais franchement, c'est un détail qui peut faire son importance, surtout dans ce type de jeu. Alors là, on a aussi la musique qui se remet un petit peu en route. Je vais vous laisser écouter un petit peu. C'est une musique très rock'n'roll d'ailleurs pour ce jeu. Musique que j'aime bien d'ailleurs. Ok. Bon, pour l'instant, on vient de passer le 4000, c'est pas mal. Bon, je répète que le défi, c'est d'atteindre les 15000, ça va pas être évident. Mais on va faire ce qu'on peut. Alors, encore une fois, dans mes défis, ce que j'essaie de faire, dans mes défis surtout. Ah, excusez-moi, je repars. Hop. Voilà. Donc, je disais, oui, donc mes défis, la plupart de mes défis. Surtout ce que je fais, c'est vraiment essayer de faire des défis qui sont pas non plus trop simples, parce que sinon c'est pas un défi, mais pas impossible non plus. Hein. Et évidemment aussi, à chaque fois, je fais ça en une prise, hein, parce qu'évidemment, sinon c'est pas drôle. Hein. Oui, parce que je fais ce que je fais. Hein. Ok. Putain, dégage! Alors, des fois, vous voyez, les voitures nous gênent. Hein. Ok, allez, on passe. Voilà. Oh putain, on commence à faire pas mal d'aller-retour là quand même. Hein. Oh, pousse-toi. Oh oh oh, pas mal, pas mal. Cette voiture. Oh
Ok, direction l'hôpital. Alors, je regarde un peu mon chrono. Ok, on vient de... on a passé 11 minutes. Bon, ça va. Encore une fois, je le dis franchement, je sais pas combien de temps durera la vidéo. Ça va durer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, j'en sais rien du tout. Bon, je pense, ça m'étonnerait qu'elle dure plus de 30 minutes, hein, parce que là, bon, à 10 minutes, on a déjà passé le 5000. Je pense qu'on est pas trop mal. Et évidemment aussi, autre chose que je n'ai pas précisé, mais les clients vous donnent à chaque fois de moins en moins de temps, hein, logique. Là, on va en prendre un arena, le truc c'est accès à 200 mètres, mais on est obligé de faire le tour de la ville. Hein. C'est pas du tout dans le coin. Hein. Oh, joli le combo là. Ok, on vient de passer le 6000. Allez, une fois client là, s'il vous plaît. Allez, madame, là. Ah, bon, là, par là, ils se font faire demi-tour. Bon, j'avoue, on tourne un peu en rond, là. Ok, pas mal. Pour l'instant, tant que je fais que des speedy, ça, c'est bon, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et toi, là. Alors là aussi, là, j'ai fait une grosse connerie, parce que là, vous voyez peut-être aussi, mais si vous vous arrêtez juste sur le bord de la ligne, évidemment, le client, bon, vous l'avez quand même, mais le problème, c'est que le temps que le client arrive jusqu'au taxi, vous allez perdre aussi du temps, donc faire attention. Ouais, c'est que là, je fais que des trucs trajets, c'est pas bon ça. Pour ça, des trajets plus longs là. Hein. Je gagne pas beaucoup d'argent en faisant des trajets courts. Hein. Ça, ça peut me jouer des tours. Tiens, je vais vous montrer un petit truc aussi, tiens. Bah, juste là. Hop. Voilà, je vais vous montrer un truc. Alors, je vais perdre un peu de temps. Mais regardez des fois où est-ce que les clients nous demandent un taxi, quoi. Voilà, regardez celui-là, quoi. Lui, il demande un taxi directement sur le meuble, quoi. Mec, voilà, quoi. Hé, je demande un taxi, ouais, mais je suis sur le toit de la maison, vous voyez. J'espère que le taxi passera me prendre. En même temps, le jeu c'est Crazy Taxi, hein, voilà, le taxi fou. Ah, et là, il y a une belle course à prendre, là, parce que là, il y a 600$ à prendre d'un coup, là. C'est pas négligeable du tout. Putain, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Alors, vous le voyez là aussi, mais les taxis sont fous. Mon Dieu. Vous l'avez vu peut-être, là, le taxi qui s'envolait, là. Oh putain, par contre le temps là c'est pas bon parce que le... les pompiers sont encore loin là. Il me reste que 10 secondes. Oh, je vais pas être bon là. Oh putain, normal, viens. Ok, on va au phare. Alors aussi, autre chose que je n'ai pas précisé, mais si vous mettez trop de temps à amener votre client, et bien le client pourra même carrément descendre de taxi en marche. Donc il faut faire attention. Ok, on vient de passer le 8000.
Alors, vous voyez, la ville est quand même aussi assez grande, hein, vous voyez. C'est pas juste une petite map non plus, hein. Alors aussi, vous aussi, n'hésitez pas, hein, si vous possédez le jeu, n'hésitez pas à essayer de faire comme moi et à battre, putain, la voiture, et à battre votre propre record, enfin même essayer de battre mon défi, pourquoi pas. Putain, j'ai failli passer en slowly, hein, putain. Et vous voyez, on en a déjà fait un tour. Voilà, là, c'est là où on était au début de la vidéo. Il y a de ça un quart d'heure. Ouais, bah, c'est ça. Je pense que la vidéo, elle va durer environ une demi-heure. Hein. C'est ce que j'ai prévu de base, en plus. Donc, c'est plutôt bien. Ça me donne envie d'aller chez Pizza Hut. Loul. Vous voyez, là je prends des risques, mais vous voyez, là je suis déjà à combo 15 là. Et vous voyez, déjà la cliente me donne quasiment 7$ par voiture doublée quoi. Donc voilà, c'est pas négligeable quoi. La combo 21, c'est pas mal. On vient bientôt passer le 10 000. Bon bah voilà, après que dire de plus, bah il ne fait pas grand chose, hein. Là on va continuer le défi tranquillement. Et on va espérer que ça passe. C'est vrai qu'en ce moment, niveau défi, c'est pas la joie hein, dans mes vidéos. Hein. Franchement, je fais des défis, mais... C'est pas terrible, là, franchement. Bon, je vais être juste, là. Oh, putain, juste. Dommage. Ok, on vient de passer le 10 000. Ok, Toby Victor, c'est derrière. Oh là 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 là. Oh, j'espère être bon, les gars, j'espère être bon. Hein. Ok. Ok, 2400, ouais, bon, c'est pas terrible, là, en fait. Hein. Ce qui est dommage aussi dans le jeu, c'est que là vous entendez la musique donc qui est en train de tourner en boucle. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis plusieurs musiques. Enfin, après, si vous choisissez le mode original, putain, si vous choisissez le mode original, la musique n'est pas la même, hein. Ça je vous rassure. Mais rien que pour un mode de jeu, j'aurais bien aimé qu'ils mettent plusieurs musiques, quoi. Ça aurait été mieux. Ok. Ok,
Ok, on a passé le 11 000. Bon, j'ai encore 4 000 dollars à choper. J'espère que ça ira. Je croise les doigts. Et c'est là où il faut que je fasse du combo là. Mais il faut donner un peu plus, madame. Hein. T'as la radine, elle donne que 3 dollars à peine. Voilà, 6 dollars, c'est bien. Voilà, 7 dollars. Aïe, ah, ça retourne à 0. Putain. Allez, ok. Bon là attention, on commence à revenir au temps de départ, là 70 secondes, donc j'ai intérêt à me méfier. Hein. Et bon, vous le voyez aussi, le problème c'est qu'il y a de moins en moins de clients hein, également. Hein, donc, je sais pas comment je fais pour passer tout ça, mais je le fais quand même. Allez, il me faut des clients là. Il faut des plus grands mondes là. Quoi? Ok. Allez, allez, on avance, on avance, on avance. On est bien, on est bien, on est bien. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, c'est bon, on est toujours en speedy. Et on vient de passer le 12 000. Ok, c'est pas mal. Allez, go au centre commercial. On n'a pas de temps. Oh, putain de voiture. Allez, c'est faisable, les gars, c'est faisable. Allez, c'est faisable, les gars, c'est faisable. L'hôtel, c'est de l'autre côté. On va passer par le... Alors, on va passer par le centre commercial. Et stop, 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 oh, ok. On y va, on y va. On essaie de couper. Oh merde, je suis pas. Non, mais non. Ah putain, je fais le con là. Oh, qu'est-ce que je fais là? Andouille. Là, j'ai perdu ma stand là. Allez, à toi. Terminal, on y va. Oh, ça va être juste, les gars. Je vous le dis, ça va être juste. Ça va être très, très, très juste. Mais ça peut encore le faire, hein, franchement. Hein. Allez, c'est pas foutu, c'est pas foutu. Allez, on vient de passer le 13 000. Allez, encore 2 000 dollars à prendre. Allez, c'est pas foutu, c'est pas foutu.
c'est encore en normal, c'est pas bon ça. Ok, on y va. Ok, 13006. Ah putain, il faut un client là. Mais putain, poussez-vous. Là-bas. Mais putain de voiture. Allez, on retourne au théâtre. Let's go. Ok, on vient de passer le 14 000. Bon, ça va, là niveau temps on est pas trop mal. Allez, toi. Ok, Army Station, c'est de l'autre côté. Et si je me démerde pas trop mal avec les combos, si je fais des bons combos, je peux peut-être même essayer de réussir ce défi après cette cliente. Mais il faut que je fasse un très bon combo, hein. Et encore, je pense même que ça ira, parce que si je la conduis à temps, normalement, elle va me donner encore plus de pognon, et ça passera. Hashtag concentration, les gars, là, hein. Aïe, c'est là, on y est, on ralentit, c'est bon, on est à 15 000, le défi est réussi. Ok, le défi est gagné, putain, la vache. Allez, on va quand même essayer de terminer, on va essayer de battre le record maintenant. Comme ça, si vous aussi vous voulez tenter ce défi, au moins comme ça vous verrez quel score vous pouvez essayer de battre pour me battre justement. Alors je le répète, pour me battre, donc c'est mode arcade, 60 secondes, un trafic moyen, voilà, vous mettez le curseur au milieu et vous essayez donc de battre mon record. Cela vous en dit. Allez, si j'amène ce client au bout, on passera le cap des 16 000 dollars, ce qui n'est pas si dégueulasse que ça. Il sera bien, ce qu'il ferait. Je regarde mon chrono, on vient de passer les 30 minutes. Yeah.
Ok. On a combien là? 16 300. Bon, je pense pas qu'on passera le 17 000. Là, on arrive vraiment à la fin du chrono. Alors, on va retenter un gros client. Ouais, là, vous voyez, là, maintenant, le chrono du client, comme vous voyez, est au même niveau que celui du game time. Donc là, ça signifie vraiment que je pourrais peut-être même pas réussir à porter le client jusqu'au bout. Mais on va essayer, car si j'y arrive, là, on passera le cap de 17 000 $. Ça serait génial. Allez, croisons les doigts pour que ça passe. Petit ralentissement. Ah oh, putain. Allez, 5 secondes. Oui. On y est. On y est. 17 000 $. On y est. Excellent. Excellent! Ah là, j'étais bon là! Ah, j'étais très bon là! Oula, petit bug du jeu, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, donc ce défi est terminé. Donc mon défi de je sais même plus ce que je dis. Donc le défi de faire 15 000 $ en mode arcade. Bah j'ai envie de dire une chose, ce défi, c'est une parfaite réussite. Voilà, c'est une parfaite réussite. Je sais même pas si on a entendu le bruit des applaudissements, mais c'est pas grave, passons. Voilà, une réussite enfin pour cette vidéo défi. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu une petite réussite sur une vidéo défi. Mais en tout cas, moi, je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content d'avoir réussi ce défi. Je vais vous remettre un peu le son du jeu, voilà. Et je suis vraiment très très content d'avoir réussi ce défi, hein, vraiment. C'était un défi que je voulais faire. Le défi, je l'ai réalisé. Et j'ai envie de vous dire, bah, je suis très 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 content de moi. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas réussi le défi. J'ai réussi celui-là. C'est très très bien comme ça. Bon bah écoutez, bah on va s'arrêter là, ce défi est terminé, je vois qu'on est à 35 minutes de vidéo presque, donc voilà quoi, c'est cool. Allez, on s'arrête là, donc c'était top top donc pour cette vidéo défi sur Crazy Taxi, j'espère que ce défi vous aura plu. Et encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas, si vous-même, vous avez des défis à me proposer sur des jeux que j'ai déjà fait, quand même sur d'autres jeux que vous me conseillez de faire, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Je me ferai même une joie, pourquoi pas, d'essayer en tout cas de réaliser votre défi. Et en attendant, bah, moi je vous dis... Crazy Taxi! À la prochaine tout le monde!